Alors passons rapidement en revue l'histoire des poils faciaux et du rasage. Pour nous, les hommes des cavernes avaient un aspect négligé avec leurs poils hirsutes. Et en fait, ils avaient l'air primitifs, car il n'y avait pas d'outils. Les Romains ont fait venir les premiers barbiers à Rome vers 300 avant Jésus-Christ. Alors c'est vraiment à partir de ce moment que le rasage est devenu populaire. Jetons maintenant un coup d'œil au 20e siècle. Car après les deux guerres mondiales, la plupart des hommes rentrèrent de leur expérience militaire la barbe rasée. On mettait alors l'emphase sur une allure jeune. On a vu les moustaches à Hollywood dans les années 30 et 40. Et chaque décennie par la suite avait son lot de nouvelles façons de porter les poils faciaux. Dans les années 60, il y avait les hippies. Dans les années 70, la moustache. Dans les années 80, la barbe de 3 jours. Et ensuite, dans les années 90, la barbichette. C'est après que la mode des poils faciaux plus embroussaillés, comme à l'époque victorienne, fut en vogue. Les hommes aiment s'amuser et ils sont créatifs. Ils expriment leur masculinité, mais en faisant un clin d'œil. Ainsi, de nos jours, la plupart des styles de poils faciaux sont assez ironiques. Et nous constatons que les hommes prêtent davantage attention à leur corps et à leur musculature. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à faire ce qu'on appelle du manscaping, une façon de sculpter la pilosité du corps. Maintenant, la plupart des hommes qui s'organisent une trousse de rasage vont y inclure une paire de ciseaux à bout mousse, des pinces et un rasoir électrique. Et le rasoir électrique SensoTouch 3D de Philips est un bon choix. En fait, c'est celui que j'utilise. Un homme révèle beaucoup de lui-même par son style de poils faciaux. Il ne se préoccupe pas de la façon dont les gens perçoivent son apparence à cause de leur propre association personnelle. Je crois que de nos jours, les hommes disent « Voici qui je suis, je veux m'exprimer et je peux vivre avec les conséquences. »